trop contente de faire cette vidéo-là. Je suis trop contente de vous parler. Je suis trop contente de tout, en fait. Jusqu'à j'ai mis le maillot du continent pour qu'il me motive. J'espère qu'avec le micro, là, ça va pas faire trop de bruit dans vos oreilles. Hein. Que je vous explique un peu pourquoi j'ai mis le micro. Parce que je me suis rendu compte que lors de mes différentes vidéos, le son n'était pas comme je voulais. Donc là, j'essaye un peu de tester des choses de gauche à droite. Donc si ça marche, ça prend. Si ça marche pas, tant pis. Donc la team, je vous explique. J'espère déjà que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous. Je fais cette petite vidéo en fait pour vous expliquer, parce que je pense que vous avez pu le remarquer, que sur ma chaîne YouTube, il n'y a plus aucune vidéo. Zéro, nada. Je vais vous expliquer en fait pourquoi j'ai voulu supprimer toutes mes vidéos. Donc c'est parti, je vous explique tout ça dans le bon, dans le clair. Et voilà. Là, j'ai mis de la crème à épiler les vite, corps et jambes, peau sensible. J'ai toujours mis ça sur mes sourcils parce que avec la pince épilée, ça fait hyper mal. J'ai le poil hyper lourd. Je suis très douillette et j'aime pas sentir mal, surtout au niveau de là. Là, j'aime pas ça. Pourquoi j'ai supprimé toutes mes vidéos? Donc, dites-vous que j'étais à la recherche de mon identité. Quand j'ai ouvert cette chaîne YouTube, je ne pense pas que j'étais prête à ouvrir une chaîne YouTube, parce que il faut savoir discerner le monde des réseaux sociaux et la vraie vie. Et je pense que je n'arrivais pas à faire le juste milieu. Pour moi, à l'époque, je gérais ça, mais en fait, non, 0 sur 10, je ne gérais pas du tout. Et quand on est jeune, on fait énormément de conneries et c'est important de se rendre compte de ces conneries. J'avais déjà pensé à supprimer mes vidéos pour donner un nouveau souffle, en fait, à la chaîne, parce que je trouvais qu'il y a eu beaucoup de mauvaises ondes sur la chaîne et ce n'est pas moi. Je n'arrivais plus, en fait, à me relancer. Tout le temps, je vous disais que non, je viens. Mais en fait, il y avait un truc qui me tirait derrière. Il fallait en fait que j'apprenne à me connaître et que j'apprenne à analyser le monde qui m'entoure. Ça fait du bien. Franchement, quand je vous dis que ça fait énormément du bien de prendre à se connaître, c'est pas des lol. À l'heure actuelle, je peux m'asseoir comme ça, je discute avec un patron pour lui expliquer qui je suis, alors qu'avant, je n'arrivais pas. Avant, j'étais... Oh, je paniquais, alors que là, c'est limite, je lui parle, je souris parce que je sais ce que je suis, je sais d'où je viens. Le continent, on n'oublie pas. Blague à part, je suis toujours à la recherche de moi, en fait. Et je ne sais pas si vous vous trouvez dans cette situation-là où vous vous cherchez énormément. Moi, c'était mon cas, je me cherchais. Je ne sais même pas comment vous expliquer, les gars, parce que le monde que j'avais voyé avant et le monde dans lequel je me trouve actuellement, c'est deux choses différentes. Genre, je me dis, mais Pauline, tu vivais comment? Tu faisais comment pour vivre? Je ne sais pas. La nouvelle ligne, en fait, je vous explique, elle essaye de trouver son équilibre. C'est-à-dire que j'essaye d'être une maman, j'essaye d'être moi, j'essaye d'être une copine, j'essaye d'être la fille, la sœur, la maman, la belle-sœur, tout. J'essaye d'être vraiment quelqu'un de solide, qu'on peut compter sur moi, tu vois. Tout en me retrouvant, bien sûr. Le plus important, c'est moi et moi et moi. Et avant, je me disais pas ça, que le plus important, en fait, c'est moi. Et ça fait du bien. Pour ceux qui sont en train de se chercher, je vous encourage énormément, parce que je sais que ce n'est pas une chose facile. Parce que des fois, on se perd, ce qui est normal. On se perd, on ne sait pas où on est, on ne sait pas ce que l'on fait. Mais il est important de se faire des remises en question, de faire des notes, parce que c'est très important. Pour vous dire que moi, de ma journée, je note mes bonnes humeurs et mes mauvaises humeurs et j'essaie vraiment d'être la personne, une autre personne le lendemain. Ah oui, côté maman. Étant plus jeune, j'ai énormément exposé mon enfant. Je ne me rendais pas compte des dangers qu'il y avait sur Internet. Je l'ai énormément exposé et je peux que m'en vouloir à moi. J'évite maintenant d'exposer Camilla parce que, comme on dit chez nous, c'est nous qui donnons le bâton pour qu'on puisse nous battre. Et ça, je ne veux pas. Voilà, tu vois, parce que mon enfant, c'est ma faiblesse, c'est moi qui l'ai exposé. Moi, j'ai grandi, j'étais pas sur Internet et j'ai envie qu'elle ait la même éducation que j'ai eue. J'étais pas sur Internet. Ma mère ne m'a jamais mis sur Internet. Donc, je veux que ma fille, demain, quand elle aille à l'école, elle ait son anonymat, on va dire. C'est comme ça que je peux la protéger et je ferai tout pour protéger mon enfant de ce côté. Et côté vie privée, quand je suis bien, que ce soit en relation ou en amitié, j'ai tendance à exposer ce que je fais, peu importe où je suis, etc. Concernant ma vie privée, j'ai pris du recul et me posé des bonnes questions. Est-ce que c'est ça, Pauline? Est-ce que ça va te faire du bien? Est-ce que ça? Est-ce que ça? Est-ce que si? Est-ce que ça? Vous voyez? Donc, j'essaye vraiment
de faire des choses qui va avec mon mode de vie, parce que c'est bien d'être sur Internet, mais il faut savoir que les choses qu'on fait sur Internet, ça reste sur Internet. Côté réseaux sociaux, c'est vrai que je suis quelqu'un et je suis talentueuse. Oh, je me reconnais. Et je vous jure, dire des choses comme ça, genre en mode, oui, Pauline, t'es talentueuse. Oui, Pauline, t'as de l'ambition. Oui, Pauline, t'es quelqu'un, pas quelqu'un en mode dans la société. Je suis née. Je ne suis pas née pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? On ne naît jamais pour rien. Donc, il faut que je trouve ma place. Et parmi tout ce qu'il y a à faire dans ce monde-là, je sais que j'ai énormément de talent à gratter un petit peu de partout. Moi, je suis une bamiléké. Dans ma culture, en fait, on est des chercheurs d'argent. Donc, peu importe quel métier vous allez nous mettre, on va se débrouiller. Et moi, je suis quelqu'un, je suis comme ça. En fait, il y a plein de domaines que je suis douée que je ne me rendais même pas compte. Je suis une fille très intelligente. Ma mère, elle me l'a toujours dit, mais je ne la croyais pas. Le fait de me rendre compte que je suis quelqu'un de... Il faut que j'enlève ça, parce que ça commence à me piquer. Avant des choses comme ça, je n'arrivais pas à me dire que oui, Pauline, t'es intelligente. Oui, Pauline, t'es ci. Oui, Pauline, t'es ça. Maintenant, j'y arrive. Quand je vous dis que... Voilà, mon visage, il est propre. Là, je vais venir... Je ne sais pas s'il y a mon sérum quelque part ici. Ça, c'est de l'eau rose de chez Action. Et je vous jure, les filles, il est super bien. Ça rafraîchit le visage. Donc, revenons à nos moutons. Apprenez à vous connaître. Tout au long de notre vie, femme ou homme, on a besoin d'apprendre à se connaître. On a besoin de se valoriser en tant qu'être humain. Valorisez-vous, je vous jure que vous allez vous sentir grave, grave meilleur. Pour vous dire, ma vie, en fait, actuellement, elle est tellement simple. Je suis en paix avec moi, je suis en paix avec ma religion. J'ai appris à prier, parce qu'avant, je ne savais pas prier. En fait, tout le mélange que j'ai fait, que j'ai effectué dans ma vie, je vous assure que remettez-vous en question, vous allez voir que votre vie, elle sera vachement, vachement mieux et apaisante. Donc, franchement, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Que celle qui va venir... qui va se présenter à vous maintenant, ça va être en fait la nouvelle Lynn. Le nom de la chaîne ne changera pas parce que Lynn Vibes, ça me correspond amplement. C'est des bonnes ondes, des nouvelles vibrations. Et ça restera comme ça. On va apprendre à se connaître. Parce que c'est vrai que des fois, je viens sur Internet, je parle pas, je pose des trucs, je disparais. Ça, on arrête. Ça, on arrête, on organise sa journée, on organise ses réseaux sociaux. C'est ce que j'ai compris. J'étais juste là, sur Internet, pour être là. J'ai eu énormément d'opportunités que je n'ai pas pu saisir. On dit, Dieu m'a ouvert les yeux. Maintenant, je vais les saisir. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. C'était juste pour vous dire que I'm back, en fait. Vous allez avoir tout, des vlogs, des trucs, des ci, des ça. Donc, c'était le continent qui est venu vous parler. J'espère que la petite vidéo, elle vous a plu. Si tu ne me connaissais pas et que tu es tombé sur cette vidéo-là et que la vidéo t'a plu, bah, n'hésite pas à t'abonner parce que c'est un nouveau départ. À me suivre sur mes réseaux sociaux, bah, Snapchat, Instagram. De toute façon, sur mes réseaux sociaux, vous savez, je suis grave active sur Snap. Je suis grave active maintenant sur Instagram. Sur TikTok, j'ai un peu lâché, mais c'est les vacances. Donc, on va essayer de reprendre ça en bien. Je vous ferai un petit FAQ que je vais mettre les liens sur mes réseaux sociaux pour que vous puissiez poser des questions. Si vous, comme ça, on redémarre la chaîne en fait à nouveau. It's okay? Yes, it's okay. Donc, bisous!